Et le locavorisme prend de l'ampleur. Maintenant, des institutions d'enseignement du primaire jusqu'à l'université proposent de plus en plus des produits de chez nous. Et à l'Université McGill, c'est même devenu une politique alimentaire qui lui vaut une troisième place au palmarès des meilleures cafétérias derrière l'Université Guelph et celle de la Colombie-Britannique. Ces jours de rentrée à McGill, les étudiants font la queue pour goûter les produits alimentaires offerts à leur cafétéria. Ces melons viennent de la ferme McDonald, le campus agroalimentaire de l'Université McGill, à 45 minutes du centre-ville. Et ils sont notre plus grand fournisseur de fruits et légumes pendant septembre-octobre. Oliver DeVolpi, du service alimentaire de l'université, est très fier de voir que McGill offre des produits locaux dans ses 25 comptoirs alimentaires. On est vraiment maintenant à 50 %, mais on a l'objectif de nous rendre un 10 % de plus dans les prochaines quelques années. Et sans la ferme de l'université, ce serait impossible. Notre raison d'être, c'est faire la recherche et d'enseignement, mais en même temps, nous sommes une ferme normale. On produit des fruits et légumes, on produit du lait, des œufs. Je pense qu'on est un petit peu chanceux que M. McDonald, quand il a parti le collège ici, il a mis en place des fermes sur le campus même. On a toujours eu un petit entrepôt ici où on vendait un petit marché, Mac Market, on l'appelle, où on vend des surplus de la ferme. On vend ces produits-là à nos étudiants, nos professeurs et un petit peu la communauté alentour. De cette abondance de fruits et légumes, un projet a germé. McGill nourrit McGill. C'est un projet avec mon collègue en ville, Oliver DeVolpi. Oliver avait un mandat d'essayer d'améliorer la nourriture à McGill. Alors, il voulait commencer avec une production locale. Quand il a su qu'on avait un campus dédié à la production de végétal, on s'est mis ensemble et on a trouvé une manière d'essayer de le fournir. Depuis près de 10 ans, les cafétérias de l'université sont devenues des clients gourmands. Ça demande une immense quantité de produits. La production se joue à l'entour de 25 000 kg de nourriture qu'on lui fournit dans le moment. C'est local, c'est frais, récolté. On reçoit la commande hier, on livre aujourd'hui. Il ne peut pas y avoir mieux que ça. Une augmentation de la demande exige des adaptations. Nous finissons presque tous les œufs qu'ils utilisent au cafétéria. L'année passée, nous avons finissons à peu près 13 000 douzaines d'œufs au cafétéria pour des étudiants à manger. Tout ce qui est la question des œufs, ça avait l'air facile, mais il fallait nous certifier fédéralement pour être capable d'utiliser les œufs qu'on produisait. Il fallait grandir. Les terres ont toujours été là. La machinerie, il fallait ajouter de la machinerie, engager du monde. Puis c'est tout, à peu près tous des étudiants qui veulent travailler sur les fermes. Puis c'est pas juste des étudiants en agronomie, c'est des étudiants dans tous les départements, dietetics, engineering. Ils veulent tous travailler dehors. Dans le bar à salade, on a plusieurs produits qui viennent de la ferme McDonald. Tout ça ici, oui, exactement. Les tomates, les courges. Aujourd'hui, on offrait les courges qui sont rôties de notre ferme, du porc qui est du Québec, qui est humanely raised. C'est juste parmi un des choix qu'on avait sur le menu aujourd'hui. Okay. Donc, les courges, la ferme, le porc québécois, c'est comme ça tous les jours? À tous les jours, il y a des options comme ça, c'est sûr. On a tellement de produits qui rentrent ici à McGill. On achète pour à peu près 7 millions par année et la ferme représente 130 000 $ ou quelque chose. Alors, on a du travail à faire dans les autres catégories aussi. Les cafétérias de l'Université McGill servent quotidiennement 10 à 12 000 repas. Pour y arriver, on fait appel à d'autres fournisseurs. On travaille avec Brie d'Or pour le pain, on travaille avec Dubreton pour le porc, on travaille avec Bœuf Québec, Axel d'Or pour le poulet. Je pourrais continuer. En plus de consolider sa position de chef de file, l'université veut aussi mettre l'accent sur les pratiques éthiques et la certification équitable. Mais tout cela coûte cher. Les étudiants sont-ils d'accord avec les prix?
Pour certaines choses. Pour des repas qui sont à base de légumes, oui, parce que c'est des légumes de qualité, disons. Mais pour d'autres choses comme une bortande ou des petites collations, un peu moins. Comme l'équitable, il y a beaucoup de cafés équitables. Je pense que c'est le seul café qui vendent dans les... en tout cas cette cafétéria-ci. Puis ça motive beaucoup les gens à acheter ici plutôt qu'ailleurs. Sur le repas chaud, c'est 9,45. Le repas végétarien, c'est 8,45. Et puis il y a aussi des bols de pâtes qui sont 10,25. Est-ce que c'est bon? La question la plus importante. Oui, c'est vraiment bonne. C'est cher, mais au moins c'est bon. Tu sais, c'est okay. Souvent, les gens disent on veut bien manger local, mais ça coûte plus cher. Je dirais pas qu'on a augmenté, mais on choisit prudemment les produits qu'on va utiliser. Les produits de la ferme qu'on reçoit sont vraiment le prix du marché. Cette offre locale exclut-elle automatiquement la malbouffe des cafétérias? Pas du tout. On a des hamburgers ici, on en sert beaucoup. Mais les hamburgers, ils sont bœuf Québec. On a des doigts de poulet, mais ça vient au moins d'Excel d'or. Alors, on sait d'où viennent ces produits. On choisit au moins une meilleure option pour qu'est-ce qui est l'achat local, pour supporter des fermiers qui sont des producteurs québécois. On est vraiment des leaders à travers du Canada. On est fiers de ça, mais on espère que les autres universités vont nous copier, comme souvent on va les copier avec leurs belles initiatives. J'aimerais ça qu'on grandisse, mais ça prend du main-d'œuvre. Hein? Ça prend... Les étudiants sont là. Il y a peut-être 40 d'étudiants qu'on engage en saison pour faire ces récoltes-là. Mais les étudiants, leur premier job, c'est leur éducation. Après la pause, brownie, biscuit.